un garage auto situé à la montée Jouvence. C'est ici que se cache une pépite de la technique. La pépite, c'est lui, Armstrong. Ce jeune mécanicien de 14 ans, assis à même le sol, la tête noircie sous les garde-roues de ce taxi en pleine réanimation. Le plus petit, de sa taille et de son âge, d'une grande industrie de mécanique, mais visiblement le plus convoité, car de ses 10 petits doigts de magicien, il fait des miracles. C'est lui qui aura la charge de dépanner le disque de ce taxi, sous le regard rigoureux de son propriétaire. Dans ce métier de raccommodage des pièces en métal, le jeune mécanicien a compris qu'il faut visser et bien serrer pour satisfaire son client. La preuve, client satisfait, les bons comptes font les bons amis. Bonjour, le père. Ah, bon. Comme ça, bien, tu te débrouilles avec ça. Super. Ce petit-là, il est un peu très éveillé. C'est pourquoi il vient ici au garage, c'est lui qui règle mes gantures. À un an seulement d'apprentissage, le jeune gamin rafle tout sur son passage. Il faut dire que c'est grâce à une formation qui n'aura pas été facile. Ma formation est plus ouverte aux enfants, donc petits comme celui-là, parce que sa tête est encore carrément ouverte dans ce qu'elle est dans ça. Donc il n'a pas encore deux poèmes en dehors des métiers. Quand il faut fauter, je le faute bien et je lui punis. Donc il est comme un enfant. Il l'a formé comme un enfant à moi, pas comme un enfant qu'on est venu donner en dehors les conditions. Des mois pour un suivi rigoureux, avec satisfaction. Très bien satisfait. J'ai commencé comme lui. Donc vous tenez de ça, donc c'est un truc qu'il fait avec. Donc il fait avec connaissance, il fait avec les réserves. Je sais où ça se passe. Donc la formation est même très mieux quand tu es encore petit là. C'est donc une école, une véritable école. Et le jeune homme semble maîtriser son sujet. Et dessus, ça fait pour que la voiture, comme on monte la courroie, tout ça, ça tourne pour que la voiture démarre. Et dessus, pour les soupapes. Et pour faire que la voiture démarre. S'il n'y a pas ça, la voiture ne va pas démarrer. Une véritable formation que subit ce jeune mécanicien, avec assiduité, sous le regard admirateur du voisinage. C'est un petit qui est apte et vaillant. Et vraiment, il montre qu'il veut vraiment apprendre du travail. Et nous sommes là pour l'aider et l'accompagner. C'est ça qui va le faire avoir son pain quotidien de tous les jours et prendre sa famille en charge. Mon ami Armstrong, il est gentil, il fait bien son travail, il apprend encore plus de choses. Armstrong est le dernier d'une famille de 4 enfants. Il est le seul à avoir choisi de porter la blouse de mécanicien dès le bas âge. J'ai 4 frères et ils partent à l'école. Mais moi, je n'ai pas fait l'école parce que moi, je travaille à la mécanique. J'habite à Kafouté, ça c'est. Le matin, il me donne l'argent de demain. Il me donne aussi le transport que je viens au travail et rentre encore à la maison. Allez. Le parcours en dit long pour un si jeune apprenti des métiers de la technique. Il a rangé les voitures des gens et lave bien les pièces. Après une dure journée de combat contre du métal, c'est l'heure de prendre congé du métier, le sourire aux lèvres. Le jeune Armstrong de la mécanique n'aura pas fini d'épater, car pour lui, demain est un autre jour.